Alors les amis, vous aimez le quart d'heure lecture? Oui! Je m'appelle Eléa, j'adore le quart d'heure lecture. Je m'appelle Lassie, j'adore lire. La culture du livre, c'est quelque chose qu'on doit inculquer aux enfants. Ça ne vient pas spontanément. On a beaucoup plus facile de s'installer dans un fauteuil, d'allumer sa télévision. Et nous, on veut leur montrer qu'en fait, c'est tout à fait facile aussi d'aller chercher un livre, de s'installer et de lire. N'oubliez pas que pendant les 15 minutes, c'est comme d'habitude, les amis, on ne parle pas. Donc, je prépare le sablier des 15 minutes. Je le mets ici. Vous pouvez vous repérer afin de voir que le temps passe. Quand les 15 minutes sont terminées, on range ses livres et le quart d'heure se termine. Bonne lecture! En fait, j'ai lancé le défi Tout le monde lit en janvier 2018 et j'en retire que du bénéfice. En plus, au premier cycle, c'est le cycle où on apprend à lire. Il fallait trouver une idée pour qu'ils aient envie de lire plus souvent. Et cette pratique des 15 minutes de lecture par jour leur a donné que des points positifs pour parler, pour s'exprimer, pour écrire, pour lire et bien sûr pour lire et aussi pour écouter les autres. Grâce au quart d'heure lecture, les enfants ont spontanément envie de lire, envie de reprendre des livres chez eux. Les enfants sont demandeurs, les enfants sont contents parce que c'est une lecture plaisir. Ils n'ont pas un livre imposé, ils peuvent aller choisir les livres par genre dans la bibliothèque ou selon les auteurs ou selon leurs envies. Avant, je ne lisais pas beaucoup. Non, avant, je ne lisais pas beaucoup. Ça va, j'aime bien. Je suis un petit peu meilleure pour lire. Effectivement, nous avons constaté des changements envers les élèves. Il y avait des élèves qui n'aimaient pas du tout lire, qui vont volontairement et spontanément chercher des albums, qu'avant ils ne le faisaient pas. Quand ils ont un temps de pause, ils vont plus vite chercher un livre que de colorier, comme ils faisaient avant, et adorent vraiment lire. Ben, madame nous met elle nous met la petite musique, puis elle met le sablier, et puis on lit. On peut se calmer après le midi. Voilà, exactement, ce quart d'heure lecture donne un apaisement intérieur. Chaque enfant se recentre sur lui-même pendant 15 minutes. Il adore parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a plus de bruit. Et ça leur donne plus de sérénité pour aborder les autres matières ensuite. Le quart d'heure lecture est bénéfique. On le ressent dans leur lecture, la lecture est plus fluide, la lecture est plus agréable. Les sons, même non vus, en fait, sont acquis parce qu'ils ont été vus dans des lectures spontanées. Et vraiment, ils lisent beaucoup mieux. La lecture doit se faire, mais elle ne se fait pas toujours. Et donc, on a voulu montrer, prouver que avec très peu de matériel, on peut y arriver. Voilà les petits amis, le quart d'heure lecture est terminé. On va ranger ces livres. Et on va aller les redéposer à la bibliothèque. Effectivement, je conseille à d'autres écoles de le faire. Ça ne demande pas beaucoup de moyens matériels. On a mis en place la petite musique pour le sonore, le sablier pour le temps, parce que c'est un repère visuel plutôt qu'un timer où les enfants ne voient pas vraiment. Ici, ils ont ce repère visuel. À part ça et des livres, effectivement, il faut une bibliothèque un peu fournie. Mais ça, les enfants peuvent en amener, nous, en tant qu'enseignants, on peut en amener. On tourne comme ça avec les livres, qui n'est pas toujours le même livre. Mais je veux dire, je pense qu'on est tous capables de lancer ce projet parce qu'il ne demande pas d'énormes moyens. Parfois, j'ai envie de lire à ma maman, à mon papa et à ma sœur. Mais parfois, on est tellement occupé qu'on n'a pas le temps. Et je suis contente de lire des histoires à l'école. J'ai appris beaucoup plus en lecture. En faisant cet exercice.